Surgeon Simulator 2013, je vous avais promis qu'on referait une petite vidéo pour voir la soluce, donc de l'opération à cœur ouvert. Donc j'ai préparé mes petits outils adéquats. Donc j'ai la perceuse qui est prête. voilà, bon, j'ai mes ciseaux. Enfin bon, on va essayer d'opérer et de sauver ce pauvre type. Donc toujours le concept de What the Game, c'est un jeu insolite et on essaye de le voir assez rapidement, d'en faire le tour ensemble. Donc bon, c'est parti de la perceuse. Oui, parce que bon, on m'a déjà un petit peu préparé le travail, hein, on l'a déjà éventré, donc voilà, tout ce travail-là est fait. Bon, maintenant on pète les os, hein, c'est normal. Ah, docteur, mon beau tablier. Oh, ça va, pour une fois que c'est du sang. Hein. Nous, notre boulot, c'est juste de lui changer le cœur. Après, c'est pas notre problème s'il a plus de cage thoracique, hein. Soit ce sera un collègue qui réparera tout ça. Nous, on change le cœur, c'est notre spécialité. Donc là, on pète tout. Ah, ce verre. Oh là. Bon. La perceuse qui continue de tourner. Donc là, bon, c'est bon, on peut. Alors, ouais, la grosse difficulté, c'est. C'est en fait de se débarrasser un petit peu de tout ce qu'il y a devant le cœur. Donc, bon, les poumons, ça gêne, hein, bien évidemment. Il y a les morceaux d'eau, là, qui gênent encore. Bon. Oh, cette main molle. Alors, là, on se débarrasse un petit peu des organes qui gênent. Et le cœur, c'est bon, on le voit qui bat derrière. Alors, ce qu'on peut faire, hein, on peut prendre, comme on a le sang qui est en train de baisser, c'est de faire une petite injection. C'est pas évident à faire, la piqûre, mais c'est vrai que ça vaut le coup parce que ça bloque les effusions de sang. Donc du coup, je sais pas ce que ça fait coaguler tout le sang d'un coup, donc ça coule plus, c'est super. Donc on va essayer de lui faire une petite injection si j'y arrive, c'est pas gagné. Bon, en même temps, c'est bon, là je l'ai attrapé. Oh ça c'est dommage, j'en aurais peut-être besoin, bon tant pis. Allez, donc on fait la petite piqûre, et là vous allez voir donc le sang qui ne coule plus. Donc là c'est bien, du coup on a tout notre temps. C'est quand même pas mal. On ne cherche pas à faire un high score, hein, c'est juste on essaye de réussir l'opération cardiaque. Donc là, on voit ce qui nous gêne encore. Là, on est une espèce de tuyau. Je suppose que c'est une artère, mais bon, moi j'appelle ça un tuyau. on va la couper au scalpel. Alors, c'est scalpel ou ciseau. Hein. Je crois que le scalpel, ça marche bien, sinon on tentera avec le ciseau. Ah ouais, là. On a tous les petits tuyaux qui relient aussi au niveau du cœur. Hein. Moi, j'utilise toujours les termes médicaux. Hein. Ça pisse le sang. Donc voilà, hein, il faut essayer. Alors, soit on arrive à couper ce gros tuyau rose là qui est devant et qui gêne. C'est vrai que c'est pas évident. Et il faut également couper toutes les petites artères qui relient le cœur à l'organisme. Donc voilà, bon, le cœur continue de battre, hein, on se demande bien comment c'est possible. Il y a toujours la fameuse perceuse qui tourne toujours sur la table. Donc voilà, il faut y aller tranquillement, parce qu'avec cette main molle, de toute façon, on ne peut pas faire de prouesse. Hein. C'est très difficile. Bon, ben voilà, là, on est pas mal. Allez hop, on va se débarrasser de ça. On va essayer de choper le cœur. Voilà, là, il a quand même le sang qui baisse assez rapidement. Bon, allez. On va refaire une petite piqûre. Oh. Mais quel médecin maladroit, quand même. C'est pas grave, il prendra quand même un dépassement d'honoraires. Allez. Et ouais, donc là on a ce tuyau qui nous gêne, donc là le tuyau j'ai essayé avec le scalpel, ça marche pas bien, mais avec les ciseaux je crois que c'est un peu mieux. Voilà, là c'est bien coupé. On devrait pouvoir atteindre le cœur plus facilement. Ah ouais, bah il y a encore des os qui gênent.
Allez, on se concentre, on va essayer d'enlever le cœur. Voilà. C'est bon, là je le tiens. Hop là. Camille tient ça avec deux doigts. Bon, allez, on va se débarrasser de ce cœur tout pourri. Alors là, on a le cœur tout neuf. Hop là. Alors, là, vous allez voir, il y a vraiment une méthode à suivre. Faut le balancer dans le corps. Faut le balancer. Alors, bon, là. Il n'est pas tout à fait dans la même position que l'ancien cœur, donc il faut essayer de le tourner un petit peu. Voilà, maintenant que je l'ai lâché au fond, là, c'est un peu la merde. On se demande comment le gars il va survivre. Certes, il aura un nouveau cœur, mais tout le reste, on l'a jeté. Donc. Ah ben voilà. Bon, ben, oh, c'est pas une super note, mais bon, c'est gagné. Allez, ben, écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. What's the game? La Solus. De Surgeon Simulator 2013.